à tous et bienvenue pour cet épisode 19 de ma campagne avec les Bretoniens. Et donc, nous sommes en pleine lutte contre les Chaos, les Skellings, les Vargs. On a détruit tout à l'heure Sigvald et Kolek. Il reste Arcaon ici. Mais il n'est pas impossible qu'ils reviennent parce que j'ai un doute sur le fait que tant que Arcaon n'est pas mort, il est possible que les autres champions du Chaos reviennent. Donc on se prépare, on a pris une grosse claque, on a perdu des armées, vous voyez que toutes nos armées ici sont dans un sale état. Il n'est pas impossible que je refusionne en fait tout ça ici, de manière à simplement continuer à reconstituer mes armées avec mes deux officiers légendaires. Donc je passe le tour. Donc les guerriers du Chaos, vous voyez, ils sont ici pour le moment. Tous mes alliés sont quasiment dirigés vers eux. Donc il n'est pas impossible qu'ils soient affaiblis par mes alliés, mais... En tout cas, Kislev, Lustermark, ça a l'air de tenir encore le choc un peu, hein. Alors tout le monde veut être en alliance militaire avec moi, mais moi, je ne le souhaite pas pour l'instant. Ouais, je crois que je vais fusionner ces armées. Les Bjornlings sont toujours ici, hein, et font mal aux nains, hein, mine de rien. Ok, cette armée repart au nord. Mais vous voyez que les Vargs arrivent. Ici, on n'est pas encore prêt. Donc, là, on est prêt à aller de l'autre côté. On va recruter 3, 4... On va prendre de la cavalerie. Je vais pas prendre de volant. Oh si, il faudrait quand même. Ils sont quand même pas mal. 16. Qu'est-ce que je pourrais prendre aussi? Allez, on va faire ça. Ok. Donc est-ce que je fusionne ou pas? Alors, on va fusionner, je pense. Qu'est-ce que j'ai fabriqué là? Ok, toi, pour l'instant, je vais te virer. Et toi, c'est pareil. Tu vas venir ici. Et tu vas tout donner. Alors, il y a un truc que je me suis toujours demandé, c'est... Est-ce que... J'ai envie d'essayer un truc en fait. Parce que chaque fois... Mais j'ai fait n'importe quoi. Oh là là. Je ne le crois pas. J'ai réussi à me tromper. Oui, ce que je voulais dire, c'est que quand on reprend une ville comme ça, là, Karobourg, Weissmoon, Middenheim, ça coûte des troupes. Est-ce que je peux le faire avec un général tout seul? Et dans ce cas-là, ça ne coûtera pas de troupes, je pense. Donc je voudrais essayer ça. Donc, toi t'es bien. Ok. Je vérifie juste que tout le monde a des ennemis, ce qui n'est pas le cas. Ok. Allez, on passe au tour. Welcome. How fares the...
Non. Donc est-ce qu'ils vont continuer à descendre le sud les... par le sud les troupes du chaos là? Ouais. Ils attaquent Wurtbad. Vous êtes bien long à arriver, vous, hein. Il y avait quand même plus court comme chemin. Hein. Ah, 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 les elfes sylvains par ici. Si vous attaquez aux elfes sylvains, vous allez avoir mal, moi je vous le dis. Encore les armées des Skellings. Ah tiens, tiens. The lady's chosen. A king stands with you. Donc là on va refaire. You know who I am? On va éviter de refaire la bêtise que j'ai faite tout à l'heure. Glory awaits. Ce que Armored je veux, c'est que toi. The lady will. Ok. Donc on va t'emmener jusque là. Et toi, j'essaierai bien ce que je voulais tester tout à l'heure. Donc là, il faut attendre encore. Je pense pas avoir de capacité de recrutement. Et si j'ai quand même. J'ai. Donc on va lui donner ça. Ah, c'est déjà bien. Protector of the realm. Ok. I am the blood of Gil. Donc, toujours vérifier ici, c'est très important. Et on va passer le tour. Et non. Donc là, il y a une armée de l'Empire qui descend, je pense. Ouais, c'est ça. Ouais, je pense que la ville a été détruite. Les Hardes du Chaos toujours actifs. Kislev est en train de se les prendre en pleine tronche. Évidemment, il fallait pas s'attendre à ce qui reste par ici. King of Bretonnia. Donc, on va lui donner les PV. Who calls? Est-ce qu'on peut les choper? Je pense qu'ils vont fuir, évidemment, hein, mais bon. Eh ben non, dites donc, il fuit pas. Je vais le faire en automatique. My blade is ready. Par contre, là je vais avoir du mal à les suivre. Donc, bah écoutez, on va continuer à donner 150. On va faire ça. Donc. My strength and wisdom are yours. Vous allez revenir ici. Blessings of the lady be upon you. Alors, donc. Do you know who I ici. Am? I am presque prêt. Ah, dommage. Going forth. Ok. Il n'y a pas de... rien de grave. Donc je peux... 2, 3, 4. On va attendre d'avoir fini. Alors.
Est-ce que je peux faire ça? Bah... Mais c'est juste fou, quoi. Hein. J'aurais dû faire ça depuis longtemps, en fait. Parce que là, j'ai perdu que de l'argent, quoi. Donc autant dire, c'est juste... C'est juste terrible, je vais pouvoir recoloniser partout par ici. Donc tout le monde a des ennemis, donc tout ça c'est bon. Ouais, donc ils ont énormément d'armées, ils ont plus d'armées que moi. Donc ça veut dire que je pense que Sigvald est revenu, Kolek est revenu, il va falloir que je les détruise assez vite. Bon. Faudrait vraiment que tout le monde arrive à la rescousse. Alors, je sais pas s'ils vont venir ici. Donc on va quand même essayer de s'assurer de ça. Donc ça, c'est bon. Ça, ça doit être bon. Ok, ok, ok. Allez, on passe le tour. Our neighbors in the east deign to visit. I hope you... Faudrait que Jorbat tienne le plus longtemps possible, le temps que leurs alliés arrivent, quoi. Alors le problème, c'est que les contes vampires vont peut-être s'en mêler et gêner tout le monde, quoi. Ah, regardez, Sigvald est revenu comme prévu. Bon, ça c'est un point de règle que je connais pas bien, c'est pourtant c'est quoi ma 8ème campagne. C'est quand est-ce que les guerriers du chaos sont vraiment détruits. C'est toujours douteux, puisqu'ils ont tendance à revenir plusieurs fois, il y a un moment donné où effectivement ils reviennent pas. Youpi. Alors là, on a vu une armée des Vars qui doit certainement être en train de me tendre une embuscade. Donc là, il reste un tour. Donc là, on peut recruter. Non, on peut pas recruter encore. Lord of Bretonia. Toi. Valiant Lord. Je crois qu'on va pas construire tout de suite, c'est quand même pas raisonnable. Ah bah voilà. Ok, les affaires vont bientôt reprendre. Allez, allez, que tout le monde aille sur le chaos, là. You ask for a boon. Allez, venez tous sur le chaos, qu'on en finisse avec eux, là. Bon, les Burning vont bien finir par se faire détruire. Ouais, ça, fallait s'y attendre. Mais il est pas mort, du coup, ça peut continuer à fonctionner, cette technique. Ok. Donc, la fée... Allez, il va certainement fuir. On to victory, Lord. Mais du coup, for Bretonia. Very well, if you insist.
Blessings of the lady be upon you. Ok. Strength and honor. Ah, il reste un tour encore, dommage. I protect Bretonnia. Donc ici, on peut recruter. Donc on va prendre ça. On va prendre ça. Et on va prendre ceci pour l'instant. Ok. Toi, t'es bien en backup pour l'instant. Ok. Donc, rien de spécial. Toujours les nains qui sont premiers. Ouais. Alors, je voudrais voir comment ça se présente. Donc, on a... Ok. Ah, Durtu arrive. Ça peut très bien se passer, là. Allez, il faudrait que Durtu se rentre dans la bataille. Ah, il va y rentrer dans la bataille. Eh, il a pris une défaite. Va peut-être falloir que j'envoie Louan aider tout le monde avec les... le chaos. Alors vous, je sais pas ce que vous fabriquez là, mais... À part vous balader chez moi, hein. Ok. Donc effectivement, Kislev est en train de prendre... Et le Starmark, je pensais, sont en train de prendre cher. Bon, ma technique, ça marche bien quand c'est la paix, je pense. Quand c'est pas bien... Quand c'est pas la paix, ça marchera pas bien, hein. Eh ben voilà. Qu'est-ce qui me reste? On va faire ça. Ok, donc Durtu a pris une claque. Mais cette armée aussi a pris cher. Alors... Est-ce que je peux choper cette armée? Elle va fuir encore. On va essayer quand même. Ouais. Ça va pas le faire. Alors, toi t'es monté. On va faire ça. Attendre. Alors, toi, tu peux enfin bouger. Et on va y aller. Toi, tu peux continuer à recruter. Donc, il te manque quoi, là? T'as plein d'archers, t'as un peu de cavalerie, mais peut-être en mettre un peu plus. Voilà, on va faire ça. Alors, toi, du coup, tu vas revenir ici. Karl Franz est assiégé par Arcaon. Sorterelle est là. Bon, il y a plein de petites armées qui sont par ici. Allez, on passe au tour.
Alors, donc on va voir où vont ces armées. Alors je vois plus l'armée de d'Arcaon là. Sigvald est là. Ouais ouais, ben on va la faire en automatique. Et on va pouvoir aller aider pour le chaos cette fois. Non, non. Je le fais avec personne, y compris vous qui se lève. C'est-à-dire, je sais pas ce qu'ils font. Tiens, tiens, ça continue à arriver forcément. Ok. Donc il est parti. Alors là, il me reste quoi? Bah, il me reste rien parce qu'il est hors de question que je fasse ça. Voilà, donc ça va rester comme ça. J'ai terminé toutes les technologies. J'ai l'impression qu'Arcaon est... est passé à passer l'arme à gauche, hein. Alors les hardes de brin, on les voit pas, hélas. Essayer d'envoyer tout le monde vers les scalings, on verra bien. Donc art du chaos, ok. Et guerrier du chaos, ils ont pris une grosse claque en effet. Alors le problème, c'est qu'ils risquent de revenir, et ceci régulièrement. Alors, toi, t'es où? T'es là. Où est-ce que je vais t'emmener? Peut-être aller chercher directement. Ok, on va faire ça. Du coup, toi, on va te faire coloniser. Alors mes revenus là, ils ont vraiment fondu évidemment, hein. Parce que j'ai quand même une très très grosse armée ici. Ok. Donc, eh ben on va pouvoir terminer cette armée. Donc on va prendre encore des écuyers. Voilà. Donc pas beaucoup de revenus. En recolonisant, on espère faire ce qu'il faut. Ok, allez, je passe le tour. Et non. Alors j'ai pas beaucoup de revenus par tour, mais bon, j'ai quand même 99 000 de fonds, c'est quand même pas mal. Donc ici... You ask for a boon. Peut-être que j'enverrai une armée là-bas, mais moi je préférais qu'on se débarrasse des Scalings et des Vargs d'abord. Du chaos d'abord. Chaos, Art de Bray, Scalings, Vargs. You ask for a boon. Do you wish the lady? Voilà, ça, ce sont nos ennemis.
visiblement tout le monde m'écoute, donc ça c'est une très bonne nouvelle. Donc qu'est-ce que je fais? J'avance ou j'avance pas? Donc là, on va essayer de choper cette armée. Là, dans un tour, on est bon. Je peux éventuellement recruter ceci encore. Deux. Alors, on va faire ça. J'ai une armée ici là. Ah. Ouais, peut-être falloir que j'envoie des gens sur les hordes de Bray quand même. Si on les voit en tout cas, va falloir le faire. Alors elles sont où les armées du chaos qui restent là? Do you wish the ladies... Let the supplicant come forward. Alors il y a quelque chose que j'ai pas fait depuis longtemps, c'est regarder sur quoi je suis positionné dans mes différentes provinces en fait. On va essayer de serrer par ici ces armées là. Toi, tu vas foncer vers Middenheim. Toi, t'es prête, c'est parti. Ok, donc c'est ce que j'avais dit, je vais faire un tour du propriétaire. Alors là, c'est quoi ? Taux d'imposition. Donc on pourrait améliorer les revenus déjà. Je vais y arriver. Donc ici, ça, ça rapporterait quoi? Un peu de revenus. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? On va faire ça. Et on va faire ça. Et ici, on va... Donc ça, c'était fait. On va faire ceci. Dommage que je puisse pas changer à ce stade. Donc là, on est en quoi? On est en taux d'imposition. Donc on peut réduire le chaos encore. Ça c'est fait. Qu'est-ce que je voulais faire ici? Donc ça c'est toujours une possibilité. Mais bon, je crois pas qu'il y ait d'urgence. Là j'ai pas grand chose de spécifique. Donc on va faire du tissage par exemple. Et ici, on n'a rien à faire. Ok, on continue. Donc couronne. Couronne, couronne. Bah, ouais. On va faire ça.
ici, on va faire ça. J'ai pas vérifié si c'était bien le taux d'imposition. Là aussi. Alors, ici, c'est toujours le taux d'imposition. Et en termes de revenus, il y a ça qu'on peut faire. Ok. Gascony, c'est toujours le taux d'imposition. Il n'y a rien à faire. Ce bâtiment consomme de la chevalerie. Ah ouais, dites donc. C'est pas très grave. Lyonnais. Taux d'imposition, rien à faire sur le plan économique. Alors, Paravon, on pourrait réduire le chaos encore, mais non. Donc, Marienbourg, alors là par contre, on peut faire ça. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ici? Qu'est-ce que je vais faire? Écoutez, on va faire du tissage alors dans ce cas-là. Et ici. Aussi. Alors par contre là, c'était pas le taux d'imposition, donc on va le mettre. Alors, Midland, j'ai pas la province, toujours. Carrebourg, c'est la moins exposée. On va la faire pour l'instant. Et ici, je ferai peut-être quelque chose contre le chaos directement. Dans tous les bâtiments, en fait. Ok. Ah oui, je pourrais quand même essayer d'améliorer ça. Non, c'est où? Ouais, c'est là, mais j'ai pas... J'ai pas la possibilité pour l'instant, donc on va attendre qu'on ait récupéré Midenheim. Alors là, j'avais dit que j'essaierais peut-être d'envoyer des gens donc, là, ils sont vers les guerriers du chaos. Guerriers du chaos. Ouais, donc ça c'est bien. L'Ostermark. Alors ça se détériore un peu. Hein. Ah, s'il commence à être fâché avec les principautés frontalières, ça va être embêtant. Sigval, où est-ce que tu vas aller? You ask for a boon. Speak. Welcome, dwarf. Pourquoi est-ce qu'il est mal? Ah oui, c'est le marais qui est un marais ici, c'est vrai. Chaque fois, je l'oublie. Stalia repart encore une fois. Ah ah ah. Ok, ils ont pris une claque. Et ben on va la faire cette bataille. Alors bon, c'est horrible. Plein de chars. Plein de trolls. Sûrement, c'est quoi ça? Non, c'est de la cavalerie. Donc je sais pas ce que ça va donner. On espère. Alors j'ai pas. J'ai quelques archers. J'ai de l'infanterie solide, on va dire. Donc on va essayer de bombarder tout ce qu'il faut et de se débarrasser de ces scalings. Je crois qu'après, il faudra que j'envoie deux armées au nord pour essayer de me débarrasser de tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a comme terrain? Alors, on a un terrain qui est en pente, alors qui est quand même pas très favorable. Alors, peut-être qu'on aurait plus vite fait de reculer encore beaucoup plus.
Ça, je voudrais pas qu'il y ait trop de façons de me contourner en fait. Alors le problème c'est que si je me mets en bas, je vais pas voir grand monde quoi. Donc on va se mettre plutôt ici, par là. Toc. Bien joué. Donc toi, tu vas te mettre au centre de la ligne. Non, ça je voulais. Formation, oh, men of Bretonia, sir. Disbanded. Ensuite, j'ai ma cavalerie, donc on va faire deux groupes. On va mettre un groupe à gauche, dans la forêt. Et un groupe à droite. Voilà. Je sais pas où vous allez aller, mais le problème c'est qu'ils ont plein de tireurs. Donc dans tous les cas, c'est quand même pas très favorable. Allez, on va essayer d'allumer par là. Même si peut-être que les fantassins, ça aurait été mieux. Hein. Pas été très efficace, hein. Alors, on en est où? Donc ici, ma cavalerie. On va la faire venir sur le côté, ici. Alors, donc ça, il va y avoir du choc, là. Ça, c'est quoi? Oui, ça, c'est bien. Ok. Ici, vous continuez à bombarder là. Et on continue. Ma cavalerie, elle est où là? Oui, elle est là. On va faire ça. Grand Knights! Slay them!
battle ready. Bon, ça a l'air d'aller. Ça c'est bien. Donc on va essayer de poursuivre tout ce beau monde. Alors ensuite, ici, ça poursuit. Vous allez continuer. Allez, on va accélérer là. Bon, il n'y a pas grand chose qu'on puisse rattraper, j'ai l'impression. Allez, on chasse là. Donc j'ai quelques pertes hein, quand même, mais bon. Beaucoup de trolls, beaucoup de chars, c'est un peu normal. Là. Bon, je vois plus rien moi. On termine. Ouais, 326 pertes, j'en ai fait 734 en face. Donc Alberic a bien fait le job. Je pense que je vais envoyer Alberic et la fée sur la banquise. Nous débarrasser des Scalings et des Vargues. Ah, ils ont reconquis ou pas en face les villes que j'avais récupérées? Pas sûr en fait. Yes. Alors, tu en es où toi? Death to the enemy. Moving out. For Bretonnia. Ces hommes ont reçu une bénédiction. La dame les protégera dans leurs actions héroïques. Parfait. Faith is my armor. Living. Du coup, on va faire ça. Et du coup, on va faire ça. The lady and my right. The lady calls. Going forth. No. You seek counsel. Allez-y. Elle a disparu. Lord, champion of the lady. Alors, on est monté. Ici on a fait ça déjà. On va faire ça. Mon paladin. On reprend les PV. Ça c'est bon. Lord of Bretonnia. Donc. Alors les nains. Je vais vous mettre là-dessus. Aussi. Alors il faut surveiller ça à chaque fois parce qu'évidemment
ces factions-là, elles disparaissent, parce qu'il suffit qu'elles se cachent, qu'elles soient plus visibles. Alors les guerriers du chaos... comment c'est qu'ils me les montrent ici C'est ça que je comprends pas. Il y a une armée du chaos par ici. Bon. J'avoue que je n'en sais rien. Donc, vous allez prendre l'eau. Voilà. Donc ensuite, Raymond, ah bah Raymond, tu vas prendre Middenheim. Oui, c'est génial ce système-là. Hein. C'est génial. Donc là, il faut surtout l'autorité pour contrer ça. Et la corruption chaotique. Et on va faire ça. Et ça. Est-ce que déjà on peut faire ce que j'avais dit? Carrebourg, non. C'est pas possible. Ouais, donc j'irai chercher tout ce qui permet d'améliorer le chaos. L'idée c'est qu'en fait ils puissent... toutes les unités proches du chaos et des soucis en fait pour se balader chez moi. Donc là ça fait une province en plus. Donc Dieterhafen, oui celle-là c'est la suivante. Hein. Donc si j'envoie ici, donc là ils ont pas reconstruit, hein, d'accord. Là j'ai 3 villes à détruire, au moins pour les scalings, peut-être plus. Et là après j'ai les vargues. Bon 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 bon. Ouais. Non, tout le monde est bien là je pense. Les contes vampires sont moins bien que moi. Tout ça c'est bien. Art du chaos, il leur reste pas grand chose. S'ils pouvaient être détruits, ce serait bien. Scaling ça va pas fort, donc faut essayer d'en profiter. Guerrier du chaos, ça va pas bien, mais j'avoue que j'ai du mal à comprendre. Parce que là, ils les mettent où là? Donc à l'est de Weissmoon. Et ça c'est quoi? Ah c'est les arts du chaos, pardon. Pardon. Guerre du chaos, à mon avis, ils sont encore là-haut. Ils sont peut-être en train de se reconstituer, d'ailleurs. Bon, bah écoutez, je vais voir où j'en suis sur cet épisode. Et peut-être à tout de suite.